tout ce que tu fais, tu le fais bien. Alors que tout ce que tu fais n'a rien à voir l'un avec l'autre. Mais tu fais bien. Alors, explique-nous, c'est quoi la recette d'avoir cet art de tout bien faire? La recette, c'est notre culture. Parce que notre culture respecte la nature. Moi, mon nom, c'est Numbisie. En langue, c'est Numbosie. Mmh. Pour ceux qui connaissent le Bamileke ou le Futuni, parce que oui. Moi, je suis du Onkam. Oui. Sie, c'est la terre. La terre, oui. Parce que dans notre culture, on respecte la nature. Ouais. Nos ancêtres avaient compris que la nature est parfaite. Et la nature peut résoudre tous les problèmes. Et oui, la nature est parfaite. Ouais. Aujourd'hui, on parle de... Le plaque photovoltaïque, la nature le fait depuis des milliards d'années avec les plantes. Oui. La nature a toutes les technologies. Aujourd'hui, pour faire des designs, on s'inspire des animaux, on s'inspire de la forme. Pour faire des chaussures, on prend les peaux des animaux. La nature a tout. Parce que quand vous avez compris la nature, l'être humain fait partie de la nature, lui aussi qui est un être parfait, vous comprenez qu'une réalisation d'un être parfait ne peut pas être quelconque, ne peut pas ressembler à du n'importe quoi. Moi, je dis toujours que vos produits et vos services sont à votre image. Donc, quand quelqu'un va dans un supermarché, il regarde votre produit, en fait, il est en train de regarder une extension de vous. Et il ne faut pas que ce soit médiocre parce que ça donne une image de vous médiocre. Et ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de culture. Pourquoi? Moi, j'ai vu des milliardaires qui ont beaucoup d'argent, mais qui sortent des produits avec des logos mal faits, avec des étiquettes pourries. Ce n'est pas un problème d'argent. Ça veut dire qu'eux, ils ont réussi à valider que c'est bon jusqu'à ce qu'on ait imprimé 50 000 exemplaires et on vend quelque chose de médiocre alors qu'ils ont des milliards. Vous savez que le problème, c'est pas l'argent. Le problème, c'est spirituel. Le problème, c'est culturel. Le problème, c'est que quand tu veux mettre sur pied un produit, tu dois te dire que ce produit, c'est une partie de moi. Donc, je ne peux pas présenter du n'importe quoi de moi. Mm-hmm. Quand je viens dans un plateau comme celui-ci, moi, j'ai déjà fait plusieurs médias. Oui. Et je suis content de voir un plateau comme celui-ci. Merci. Parce que je ne veux pas, ce n'est pas une manière pour moi de vanter ce que vous faites, non. Merci. C'est une manière de dire que ce que vous faites est bien fait. Il y a beaucoup de plateaux où il n'y a pas la clim. Ça veut dire qu'on fait les émissions avec les serviettes. Les serviettes, ouais. Oui. Ça, c'est, je ne t'apprends rien, c'est ton métier. J'en ai vu aussi. Alors, quelle est l'image donc que ça passe? Moi, quand je fais un produit comme celui-ci avec mes collaborateurs, c'est la vision. Comment on peut faire pour être la meilleure marque du monde? Pas du Cameroun, pas de l'Afrique. Nous, on regarde les meilleures marques du monde, on se dit, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous, on va faire mieux qu'eux. Mais chez nous, les gens veulent être les meilleurs de leur quartier. Je suis le meilleur de Balmayo. Mm-hmm. Mais quelle médiocrité. Mm-hmm. Donc, du coup, quand tu te compares au plus puissant, bah, même si tu es cancre, ce que tu vas faire sera excellent.